pas envie de tourner la vidéo, il est trop tard. Et pourquoi est-ce que je ferais semblant tel un bâtard? Et c'est ça la question, hormis l'argent, est-ce que j'ai vraiment d'autres raisons? J'avoue que je me sens bloqué sur le terrain, j'ai du mal à respirer. Le lieu ne compte même pas, j'ai l'impression que peu importe où je suis pas là. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Moi j'appelle ça vide adulte, ça fait des années que ça m'intoxique. Pas facile de se faire des potes quand t'es connu, t'es coincé. T'as le melon quand tu dis que t'es fier d'avoir un peu percé. Toujours dans le doute quand tu rencontres un gars cool. Est-il autant parce qu'il veut s'en mettre plein les fouilles? Les yeux collés sur mon téléphone, être toute la journée, je peux pas m'en passer. Laisse ta tomber, c'est mon ego est brisé. J'ai mal au ventre, ça veut plus s'arrêter. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Moi j'appelle ça vide adulte, ça fait des années que ça m'intoxique. Pourquoi devrais-je continuer tout ça? C'est tout nouveau, pas d'exemple devant moi. J'pense que tout le monde a sa place ici bas. Et pourquoi la mienne mais si inconfortable? Pas envie de faire des feats avec des gens aussi cons, prêts à tout pour enflouer les caisses qui paient leur maison. Et c'est ça la raison, celle qui les pousse à baiser à la perfection. Je fais un métier de rêve, c'est vrai, mais je n'en ressens pas les bienfaits. À part la thune, ah oui c'est vrai, mais je suis seul pour la dépenser. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Moi j'appelle ça vide adulte, ça fait des années que ça m'intoxique. Encore au début de l'aventure, et pourtant il s'en est écoulé du temps. J'ai commencé dans ma voiture, et j'étais vraiment doté d'un détachement. Normal quand tu quittes tout, tu n'attends qu'une chose, c'est des vues. Une fois que tu les as, tu te rends compte que t'étais ridicule. Tout ça m'affaiblit, 3 ans dans le milieu et je finis en thérapie. Aucune honte à voir, je fais pas ça pour la fame ou la gloire. Je veux juste que les gens se rendent compte qu'en taillant quiconque, c'est marrant 2 secondes, sauf quand c'est toi. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Moi j'appelle ça vide adulte, ça fait des années que ça m'intoxique. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Moi j'appelle ça vide adulte, ça fait des années que ça m'intoxique. T'es surpris, tu pensais me connaître, t'es trop naïf, c'est juste internet. Ton influenceur préféré n'est sûrement pas celui qu'il prétend être. Véhiculer de beaux messages, défendre des causes sur les réseaux. Faire attention à son image, tout est mignon et tout est beau. On a le parfait étalage du youtubeur qui flatte son ego. Je ne supporte plus ce décalage entre leurs actions et leurs propos. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Moi j'appelle ça vide adulte, ça fait des années que ça m'intoxique. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Moi j'appelle ça vide adulte, ça fait des années que ça m'intoxique.